Bonjour, bonsoir. Dans la vidéo, ça, nous allons montrer comment vous êtes capable de récupérer mot de passe WordPress. Et la vidéo, ça, nous dédie spécialement avec Philippe Pito qui vit depuis le Mexique. C'est un étudiant qui pose nos questions. Et nous allons utiliser le domaine comme exemple. Le domaine, c'est philippiano.com. Et si vous voulez rentrer dans l'espace administration WordPress, là, élève-moi un grand compte qui ça pour faire n'a mettre yon bar et puis on écrit wp-admin et puis tout de suite après il va le présenter espace pour capable mettre nom utilisateur et puis mot de passe là. Mais on suppose que ou t'as oublié mot de passe, nous va le montrer une première façon pour capable récupérer mot de passe. On clique dans bouton qui dit as olvida de tout contraseña ou soit oublier mot de passe là, ou cliquer sur lui et puis là il y a bon accès pour capable mettre email ou. Et puis après ça, vous cliquez sur le bouton bleu. Et tout de suite après, vous allez recevoir un message dans la boîte email. Juste rentrer dans la boîte email, vous avez accès à un message de WordPress pour capable redéfinir le mot de passe. Et je vais vous montrer une deuxième façon pour capable avoir accès avec la page administration WordPress. Pour capable rentrer directement dans Hostigator, on suppose que vous avez acheté le domaine dans Hostigator, vous allez utiliser email et Fito, moi mettez email, mot de passe et puis moi clique côté qui dit je ne suis pas un robot et puis me clique sur ingressar. Et une fois que l'y rentre dans page Hostigator là, vous pourrez accéder dans ce panel là, vous cliquez dans ce panel. Et puis là, nous allons montrer comment vous êtes capable de rentrer directement en dans la page administration à travers ces panels. Je vais fermer par ça. L'app chargée. Voilà, une fois que ce panel là ouvre, vous êtes capable de chercher WordPress là en bas ou bien vous allez juste marquer dans barre ça ou écrit WordPress. W-O. Et puis là, il présente ou icône WordPress là, ou cliquer sur lui. Et puis là, il va présenter ou domaine ou gagner yo là. Ou après, là moi gagne domaine philippiano.com là. Si me clique sur lui, il va ouvrir domaine là. Mais nous même nous besoin tomber directement en dans espace administration WordPress là. Mais ou va aller dans bouton bleu ça là, ou cliquer sur entrer. Et puis ou va le comment va tomber directement en dans WordPress là. Voilà, nous gagnons en dans WordPress là, nous sommes capables d'installer plugin, travail et modifier votre passe conforme avec Google, ok? Mais question là, c'est que et comment nous capable changer mot de passe là en dans page administration WordPress là? C'est vraiment facile. Vous pouvez aller dans cette icône ça là, côté qui dit usuarios là, et puis vous cliquez sur, vous mettez curseur là sous lui, vous devez cliquer sous lui et puis vous cliquez sur perfil bien profil et puis la présenter au pays ça n'a pas ça ou capable modifier mot de passe bien facile. Ouais, moi descend en bas et puis là il y a bon option capable établir un nouveau mot de passe. On clique sur établir nouvelle contraseña et puis côté qui présente ou email ça ou pour juste choisir mot de passe que ou pour choisir. Et puis, na mette, on suppose que je mette Philippe, P-H-I-L-I-P-P-E, mette la avec numéro. Là, je dis que mot de passe là vraiment faible. Et, mais c'est pas grave. Et on va juste cliquer côté qui dit confirme le contraseña. Ou cliquez là. Et puis après. Et puis, vous cliquez sur actualiser le perfil. Et puis, automatiquement. Là rentrer dans page administration WordPress là, là retourner par exemple dans page ça là et vous mettez mot de passe, vous mettez email ou an, et puis vous avez bien accès pour capable rentrer dans WordPress. Et toujours vérifier email ou sous pas joindre un message de confirmation dans boîte email ou tout. Et puis là fin confirmer toute information ça vous avoir que vous avez accès pour capable rentrer dans page WordPress là à travers nouveau mot de passe que vous avez créé. Fait nous connaît dans espace commentaire vidéo ça, est-ce que information ça l'était aidé ou et si vous avez quelques autres questions, pas hésiter poser dans description vidéo.
C'est là que nous avons fini avec la vidéo ça et nous avons croisé dans l'autre vidéo.